Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Hawata et sa fille Tera. Bonjour. Bonjour. Yes, on a entendu sa voix. Et un beau sourire en plus. Alors, vous venez de nous présenter votre spectacle qui a fait un tabac d'ailleurs. Oui, il faut dire que Beaucoup de fois peint a un style assez caractérisé, hein, qui est venant des îles, surtout des îles des Australes, plus particulièrement sur l'île de Rurutu, un dominant de Rurutu. Hein. Et nous avons un certain style qui est aimé par la population. Adoré, alors, oui. Ouais, adoré, et, on peut le dire. Voilà. Et ce style-là, c'est tout à fait Rurutu, quoi. Hein. Il y a cette authenticité au niveau de la parole, des actes, des gestes, hein, qui sont restés, on peut dire, authentiques. Hein. Est-ce que tu penses que c'est par le fait que vous soyez un petit peu excentré que ça a été préservé? Je peux dire oui. Mais en tout cas aussi, parce que le peuple de Rurutu, c'est un peuple qui a toujours été uni. Et que ce soit à l'extérieur ou bien sur l'île. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas pété, il y a les quartiers Rurutu. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu des quartiers ici. Parce qu'au temps de Rurutu, il y avait... Faut pas oublier qu'on avait des rois en ce temps-là. Hein. C'était les rois qui envoyaient des missions, quoi, des groupes, pour aller un petit peu s'installer un peu partout. Et c'est ça qui a fait que nous, on a maintenu notre unité. Alors du coup, donc, vous avez lancé cette troupe qui a fait merveille aussi, parce que ce n'est pas la première fois que vous avez eu des prix. Non, il faut dire qu'on a commencé en 2011, ça fait 3 ans maintenant. En 2011, on avait eu quelques prix, hein, mais c'est plutôt à partir de 2012, du Heavy 2012, qu'on a eu des prix, le premier prix au niveau du Huramatau. Ah, c'était vraiment un prix que nous on peut dire qu'on a vraiment mérité, quoi. Est-ce que tu peux traduire pour nos amis qui ne pratiquent pas toujours la langue? Ah, le Huramatau, ce sont les amateurs en gros, quoi. Et le Huratau, ce sont les groupes qui sont passés en professionnel. Voilà. Alors, merci. Voilà, en 2012, pour tout en paix, en amateur, hein, nous avons eu le premier prix. Et en 2013, cette année, on est passé en professionnel et nous avons eu le troisième prix. Et c'était pas à donner. Hein, parce que non, ils ont été assez sévères, hein, d'ailleurs cette année, ce qui est normal parce que comme ça permet de remonter le niveau aussi. Tout à fait, ils ont raison, le jury. Hein. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas avoir eu son prix dans une pochette surprise. Voilà, tout à fait. Et moi je suis tout à fait d'accord avec le jury. Hein. Et il faut remonter le niveau, surtout au niveau du tamouré, du OTA, du tamouré en gros, quoi. De meilleurs danseurs, meilleures danseuses. Et on a vu, parce qu'on le sait, tous les ans, quand il y a des concours, tout ça, les meilleures danseuses et danseurs sont pris vraiment à la dernière minute. Dans ce sens-là, je crois que le jury a raison. Alors là, vous avez fait un spectacle tourné justement sur la culture Rurutu. Oui. Alors notre thème cette année, c'est la femme des abysses, la femme des profondeurs. En fin de compte, c'est une sirène, en gros, hein. Mais une sirène plus Rurutu, quoi, que extérieure, quoi. On sait très bien que la vision des Poupas, des Français, tout ça, c'est pas la même que la nôtre. Alors que nous, quand on dit une sirène, au Rurutu en tahitien, c'est une femme étrangère qui habite d'ailleurs, hein, qui vient d'ailleurs. Ah, pas forcément du fond de la mer? Non, parce que nous, quand on dit la mer, hein, ça veut dire que je viens de l'extérieur. Ah oui, de l'océan, oui, là-bas, t'as fait loin. Voilà. Et cette femme-là, justement, est blanche, elle a des cheveux roux. Mais on dit qu'elle a des écailles, hein, justement pour exprimer la mer, hein, oui, etc. Et cette femme-là désire s'installer sur l'île. Mais comment? C'est toute l'histoire. Hein, et alors, c'est une vraie légende ou c'est vous qui avez construit l'histoire? Ce n'est pas une légende, mais c'est devenu légendaire. Là, ce que je veux dire par là, c'est basé sur des faits réels. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette histoire-là, c'est réalisé, après, il faut remonter vers le 800 ans, quoi, après Jésus-Christ. Hein. Il y a eu plusieurs vagues à Rurutu. La première vague, c'était les Européens, c'est-à-dire des habitants qui habitaient ici à Tahiti, Fa'a, Punavia et Pa'a. Ça formait le clan de Te Rapa. Ils ont quitté ici pour justement la première vague qui habite à Rurutu. Il y a eu une deuxième vague des Atiaeri et la troisième vague des Atiaura, c'est-à-dire des gens venus entre guillemets, hein, ça s'est approuvé de l'Amérique du Sud. Voilà. Et l'histoire qu'on a développée cette année, c'est-à-dire la femme sirène, hein, la femme des abysses, Te Vaine Oruwaru,
C'est une histoire qui se passe bien après ces trois bagues-là. Il faut monter vers moi, je dirais, dans les années 1500, quoi. Voilà. Donc, avant, pré-européen, voilà, bien pré-européen, sûr. Voilà. Et donc, cette femme, elle est arrivée d'on ne sait où. Voilà, on ne sait pas d'où. Voilà, mais, on garde le côté mystérieux. Voilà. Et comme dit, mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a une fin qui est bien. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ayant été démunie de tout, va vouloir s'installer sur l'île. Mais comment? Justement, elle va tout d'abord piquer les tarots, voler des tarots. Oh, ça, c'est pas très bien, mais elle avait faim. Oui, oui. Ah ben, on peut dire ça. Voilà. Mais tout ça, c'est symbolique. Il ne faut pas oublier que dans la tradition polynésienne, le tarot symbolise le pied de l'homme, dans la création de l'homme. Le tarot symbolise les pieds. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas oublier qu'au temps des rois, les rois étaient portés. Ils ne pouvaient pas marcher sur la terre. Ah oui, parce que sinon, la terre leur appartenait. La terre va leur appartenir. Et d'où cette symbolique du tarot. Alors, cette femme-là désire le tarot justement pour prouver, dans cette histoire-là, elle veut s'installer sur l'île. Et prendre pied. Voilà, prendre pied. Et c'est pour cela, cette femme-là ne va pas manger n'importe quel mât, n'importe quelle nourriture. C'est ça va être toujours très symbolique. Et justement, c'est symbolique. Alors, cette femme-là, elle a été découverte par des gens de la population de Rurutu. Alors, le roi, on avertit le roi et le roi fait en sorte de capturer la femme. La personne, on ne sait pas encore que c'est une femme. C'est après qu'on va découvrir que c'est une femme. Et il ne faut pas oublier aussi, dans l'histoire, c'était les femmes qui s'occupaient des tarots. C'est pour ça qu'ils n'ont pas... C'est pour ça. Voilà, c'est pour cela. Et la population va faire des filets, un filet en poudreau, et un filet en nappée, c'est-à-dire en boule de coco, plus dur, quoi. Ça, c'est pour mettre dans la mer, comme ça, on peut attraper cette femme. Ah oui, parce qu'elle sortait de l'eau, elle venait piquer les tarots, et bien hop. Voilà, et retourner par son trou. Ah oui, c'est ma grand-mère. Tout à fait. Par son trou qui se trouvait justement vers Waiouiwi, c'est une région de Rurutu. Voilà. Alors, il fallait rattraper, mais si jamais elle s'échappait, on pouvait. Un filet était déjà placé dans l'eau. La ruse. Voilà, et on sait très bien que la boule de coco, plus elle est mise dans l'eau, plus elle est dure. Voilà. Et la femme est attrapée, et on découvre que c'est une Oruwaru, une sirène. Alors, comment dire? Alors, le roi, qu'est-ce qu'il dit alors à la population? Voilà, maintenant qu'on connaît, elle est sauvage, elle ne se laisse pas faire. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup la personne qui a joué ce personnage, c'est Apaura Walker, qui est une fille extraordinaire, quoi, très belle aussi, qui a joué le rôle. Elle a bien joué son rôle. Et d'ailleurs, c'est à travers elle qu'on a eu le premier prix, c'est-à-dire le prix du cœur du jury. Oui, tellement elle a bien joué, seulement elle a dansé, mais elle a investi le personnage. Oui, il ne faut pas oublier qu'elle est sportive, tout ça. Alors, elle est attrapée. On l'emprisonne, on lave tous ses écailles, tout ça. On l'emprisonne. Alors, les femmes du village vont s'occuper d'elle parce qu'elle ne veut pas que des hommes s'approchent d'elle. Elle est tellement sauvage. Et à Rurutu, la prison était constituée justement par un cocotier qui était coupé en deux. On plaçait les pieds là-dedans. Elle était comme un carcan, quoi. Toum, voilà. Quelle horreur! Voilà. Elle peut bouger comme ça, mais elle peut pas se déplacer. Ah oui, on ne peut pas se déplacer avec un cocotier au pied. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pas facile. Voilà, tout à fait. Alors, la femme, avant qu'elle arrive à Rurutu, était déjà enceinte. Son mari qui était ailleurs. Voilà. Mais on ne sait pas qui était son mari. Voilà. Non, on ne sait pas. Bon, on sait qu'ils habitent. On ne sait pas, on ne saura pas. Mais bon, voilà, il faut garder le mystère. Hein. Alors, sachant qu'elle va enfanter, alors la femme va demander au roi. Non, elle pleure. Alors le roi lui demande, mais pourquoi tu pleures comme ça? Mais elle dit, mais justement, je vais bientôt avoir enfanté, quoi. Et il faut me relâcher. Il faut que je parte chez moi et je vais mourir. Et son père doit prendre l'enfant. Et c'est là que la femme raconte comment c'était chez eux. Par rapport à Rurutu, les Rurutu étaient plus avancés au niveau de la civilisation par rapport à eux. Et justement, au niveau de l'enfantement, chez eux, il fallait couper le ventre, quoi, et césarienne, quoi, et prendre l'enfant. Et elle mourait. Voilà. Alors le roi de Rurutu lui dit, mais t'as pas à craindre, parce que chez nous, on ne fait pas comme ça. Non seulement tu peux avoir ton enfant, mais toi-même aussi, tu vas vivre. Nous savons comment accoucher les femmes.
Alors cette nouvelle-là, la sirène est très très contente, elle n'a jamais entendu ça. C'était une nouvelle pour elle. Elle s'est apaisée, quoi. Elle a donné sa confiance aux habitants de Rurutu. Mais ça ressemble un peu aux gens des Mokorea aussi. Oui, j'ai appris que c'était au Tuamotu, ça s'appelait un Mokorea, quoi. Je ne connais pas vraiment leur définition, mais chez nous, quand on dit Orovaru, il faut couper le mot en deux. Orovaru. Oro, ça veut dire désirer. Et varu, surtout haru, hein, tu enlèves le V, haru, ça veut dire la nature. Tout ce qui est nature appartient à la terre, à l'élémentaire, quoi. Donc, tu as la terre, la mer et l'air. Voilà. Et oro, varu, ça veut dire désirer la terre, désirer une terre, quoi. Et c'est ça ce que ça veut dire chez nous. Je ne sais pas le Mokorea, que veut dire Mokorea ou Tuamotu, je ne sais pas. Ben c'est des êtres qui vivaient dans les trous d'eau, qui étaient roux aussi. C'est ce que j'ai appris aussi. Voilà. Ben c'est ce que j'ai appris aussi. Et voilà, cette femme-là est très heureuse. Mais enfin, quand elle va enfanter, elle est très contente. Et elle a survécu, elle vit. Et on ne va pas dire toute la fin, parce que vous avez un spectacle à présenter. Alors si on donne le dénouement, là tout le monde va savoir. Oui, mais je préfère donner le dénouement, parce que quand on danse... les gens ne comprennent pas. Oui, parce que quand les gens voient une fois, deux fois, ils ne perçoivent pas vraiment. Hein. Alors, c'est pour ça que je voulais terminer. Voilà. La fin, c'est que la femme... elle a accouché. Le temps passé, tout ça. Son enfant a grandi, a épousé une femme de retour, a des enfants, tout ça. La femme est très contente. Elle dit au roi, laissez-moi maintenant repartir chez moi. Mais l'enfant qu'elle a eu à Rurutu, elle ne va pas reprendre. Ça sera un cadeau pour elle, pour la population. Et c'est aussi un symbole, un lien d'unité entre les deux peuples. Comme cela, pour cela, ceux qui seront à l'extérieur, quand ils viendront à Rurutu, il n'y aura pas de problème. Parce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont aussi deux. Voilà, c'est une alliance, c'est famille. Voilà, c'est famille. Et ça a toujours été comme ça, même aujourd'hui à Rurutu. Hein. Voilà. Et c'est ça la fin. Et c'est ça qu'on veut montrer à travers notre spectacle. Comment deux peuples peuvent s'unir, justement à travers les enfants. Ben, c'est un message d'espoir contre le racisme, contre la jeunesse. Les jeunes. Voilà. Bien, alors, quand alors, ce spectacle ce soir, ils sont en train de répéter. Bon, ça commence. Demain soir, vendredi. Et ça va se passer à Papara, au grand chapiteau de Papara, hein, là il y a la mairie, derrière la mairie. Voilà, on représente encore notre spectacle Tumari Pouboutouampin. Les places sont en vente sur place Ouais, sur place, surtout sur place, hein, parce que tout le monde connaît bien, on peut venir sur place et il y a de la au place. Au dernier moment, voilà. Au dernier moment, voilà. Et le prix, c'est dans les 1000 francs. Hein. Ah oui, c'est tout à fait raisonnable, voilà, c'est tout bien, tout le monde peut venir en famille. Et samedi. Nous avons encore notre représentation à l'OTAC et tout le monde peut venir aussi, même prix, tout ça. Eh bien, écoute, ça donne envie d'aller voir le spectacle. Et puis, et alors, toi, Tera, tu as dansé dans ce spectacle? Non. Pas encore? Pas encore. Pas encore, bientôt, je pense qu'elle fera partie de la troupe. Vous êtes combien dans la troupe? Il faut dire, au niveau des danseurs danseuses, on doit 60, 70, hein, sans compter les batteurs et le choriste, tout ça. Bien. Et plus les parents qui encadrent. Voilà, c'est toute une troupe, c'est tout le Tururutu qui est là. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler le nom de la troupe? Alors, le nom de la troupe, c'est Poupou Tuapin, parce que beaucoup nous appellent aussi Tamari Tuapin, c'est différent. C'est pas les mêmes. C'est pas que, non seulement c'est pas les mêmes, hein, on pourrait s'appeler Tamari Tuapin, c'est-à-dire les enfants des Australes. Oui, bien sûr. Mais pourquoi le mot Poupou, ça veut dire groupe, hein? Parce qu'on a regroupé tous les jeunes des Australiens ici et qui vivent ici. Hein, des gens d'extérieur peuvent faire partie du groupe. Tout ça. Voilà, écoute Jean-Claude, merci. Il n'y a pas de quoi. Et on pourra retrouver cette interview sur le site Facebook de Taoui FM et vous pouvez aussi le partager. Merci beaucoup, merci. Martine.